Asdika, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maharibia. Abonnez-vous et faites abonner vos proches afin d'être informés et de rester informés avec votre chaîne. Cette séquence vidéo se consacre cette fois-ci à cette accusation d'ingérence, cette fois-ci émanant de ce régime algérien dans les affaires intérieures de l'Espagne. Ouvrons les guillemets dès le début de cette séquence. Ce que nous voulons de l'Algérie, c'est le respect mutuel et la non-ingérence dans nos affaires. Fermons les guillemets. Des propos qui portent la signature d'un certain ministre espagnol des affaires étrangères, José Manuel Álvarez, pour ne pas les citer, dans une interview accordée ce dimanche 23 avril dernier au quotidien El Español, dont des extraits ont été publiés par des médias proches, mais vraiment proches du Polisario. Et avec l'Algérie, donc il poursuit, Álvarez, José Manuel Álvarez poursuit, avec l'Algérie, nous voulons des relations basées sur l'amitié, car l'amitié, c'est ce que le peuple espagnol a à l'endroit du peuple algérien, sans citer les Polisariens, en tout cas, a déclaré le chef de la diplomatie José Manuel Álvarez. Et le ministre espagnol des Affaires étrangères s'est dit confiant quant à une évolution positive dans certaines relations avec cette Algérie-là. Mais on en doute quand même, on s'en doute quand même, qui sera basé sur ce qu'il appelle le bénéfice mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le respect mutuel. Et il poursuit, j'espère que le plus tôt possible, cette amitié prévaudra entre nous, comme elle l'est avec tous nos voisins, faisons allusion à qui vous savez. Depuis le soutien de Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, donc au plan marocain d'autonomie au Sahara, acté un certain 14 mars 2022, José Manuel Álvarez n'a eu cesse d'exhorter cette Algérie à éviter toute ingérence dans les affaires intérieures de son pays, donc de cette Espagne. Et l'Espagne est un pays libre et souverain pour prendre ses propres décisions en matière de politique étrangère, avait même précisé José Manuel Álvarez le 24 juin 2022 déjà. Mais en vain, c'est le cas de le dire, des appels, tous des appels ignorés par ce pouvoir algérien qui ne retient rien. Et l'Espagne a commis peut-être un acte inamical à l'égard de cette Algérie. Sur la question du Sahara marocain, comme toujours, avait estimé ce pseudo-président algérien, cet effacé, athée, sans foi, ni loi, sans vertu, pour justifier une certaine suspension du traité d'amitié avec cette Espagne même et la fermeture du marché algérien devant les exportateurs espagnols. Et rien que ça. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette petite séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt, avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, afin d'être informé tout simplement. Mais n'oubliez pas de partager également autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi,
Je vous dis au revoir les amis. L'asdiqa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois. Ma'a salama.